Aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle vidéo encore sur le jeu FIFA 5x5 pour gagner beaucoup d'argent. Donc là, les gars, je suis vraiment désolé de vous avoir fait penser à D. Voilà, parce que la vidéo est sur débat avant-hier, mais avec quelques soucis à régler. Donc là, c'est bien fait maintenant. On peut commencer. Voilà. Donc là, l'équipe, voilà, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il va y avoir encore une nouvelle faille, mais une nouvelle technique pour gagner des squeezes ou bien gagner aussi des failles aussi, mais astuces encore sur le jeu FIFA. Voilà. Donc là, abonnez-vous max. Voilà. Partagez la vidéo. Intégrez mon canal Telegram. Beaucoup. Voilà. Et aussi utiliser le code, ça marche pas toujours, je dis toujours ça marche pas, que ce que je veux vous montrer, ça marche pas tout. Voilà, donc si tu vois que tu n'as pas encore un nouveau compte, tu as un compte, voilà, utilise ça pour gagner. Ou si tu n'as pas un nouveau compte, crée un nouveau compte avec le code promo pour pouvoir gagner 200% de ton premier dépôt, et tu auras aussi des remises de 20% sur tous tes prêts. Voilà, donc là c'est comme ça, on va aller rapidement, on va venir ici comme ça dans la partie espoir ici comme ça. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas, je sais pas, vous dites ça, c'est pas sûr à 100%, parce pas parce que je viens de vous montrer avec tu as dit petit que tu vas gagner à tous les coups, mais ce qui est petit dit est que tu vas gagner à 90%. Voilà, il suffit de mettre seulement en place ce qui avait été fait pour que tu puisses gagner, parce que moi j'ai testé à plusieurs reprises les squares sur le jeu chat petit et j'ai gagné. Voilà, ici encore on a gagné, voilà, tout ça sont les squares, on a gagné. Et puis encore j'ai testé d'autres encore, voyez, ça c'est une nouvelle phase, ça attends, ça c'est une nouvelle astuce aussi, j'ai testé aussi avec ça aussi. Voilà, j'ai gagné aussi des codes 14, des codes 15, tout et tout, tout et tout. Donc là, ici, code 4, tout ça. Et ici, vous voyez, là, ici, j'ai perdu. Voilà, c'est vous, dites que ce que tu as dit, petit, dit là, c'est pas forcément tout qui est sûr à 100%. Voilà. Donc là, ici, il m'a donné 2 euros, ils ont fait 2-1. Donc là, tu vois, là, ici, comme ça, que ça a raté. Voilà. Et là, ici, encore, ici, ouais, il a testé autant encore. Il a mis, comme il a mis 90 000 pour gagner 122 000. Voilà. Ainsi de suite, vous voyez, là, comme ça. Ici, encore. Bon, ça c'est pas parti de ça. Ça, c'est pas parti de ça. Voilà. Donc, ici, on a testé d'autres aussi qui ont gagné. Voilà, c'est ici, c'est gagné. Donc, comme vous allez venir dans la partie FIFA, comme ça, dans la partie FIFA, ici, comme ça. Le jeu, le chat GPT que vous allez utiliser, il vous a démontré le chat GPT, vous allez tester l'application. Voilà. Donc, quand vous allez venir, quand vous allez tester l'application, c'est le même, c'est le même intelligence que vous allez étudier. Vous allez mettre FIFA 5x5. Vous allez mettre FIFA 5x5. Pour le nouveau, Quand vous allez mettre FIFA 5x5, vous allez prendre le premier FIFA 5x5, celui-là, celui qui est en haut là. Vous allez prendre celui que vous allez prendre. FIFA 5x5 gagné là. 318 utilisateurs, c'est pas que c'est pas. Avant tout, quand vous allez venir taper, ça va sortir peut-être 200, mais 500, mais ça va dépendre. Voilà, au fur et à mesure que l'utilisateur utilise, depuis qu'on a fait la vidéo, au début qu'on faisait la vidéo, on était à 100. Non. Donc, depuis qu'il a fait la vidéo, on est passé à 302, ce qui veut dire vous avez utilisé et ça marche. Voilà, donc là, c'est comme ça se passe. Donc là, juste après cette vidéo, on va passer peut-être à 500, mais ça va 1000. Voilà. Donc, ici, comme ça, on vient juste là. Moi, il y a déjà ça ici dans mon téléphone. Il y a déjà, moi, il est installé pour moi. C'est moi. Les hommes, ça, terre à terre qui est là, qui vont nous permettre aussi de gagner. Voilà, on va prendre un exemple terre à terre. On prend peut-être 1000 et puis le représentant du jeu comme ça, on vient prendre 1000 Liverpool. On prend 1000 versus Liverpool. Vous voyez là. Liverpool, vous mettez Liverpool comme ça, voilà, et vous validez sans mettre quelque chose. Lui me va analyser automatiquement pour toi parce que c'est sur le jeu facile. Donc là, ici, il nous a dit en actualise, il nous a dit ce que Milan et puis Liverpool ils ont fait 2-1 sur le premier. On actualise encore, il nous a dit ici encore qu'ils vont faire encore 2-1 encore. Maintenant, nous ici, on va pas se contenter des temps réglementaires parce que le premier score qu'il va vous donner c'est sur le temps réglementaire. Nous, on va mettre comme ça, tu prédis. Tu peux dire quel score à la mi-temps. C'est ce que nous, ça nous intéresse. Parce que nous, c'est le score à la mi-temps qui nous intéresse. C'est le score qu'ils m'ont fait avant la première mi-temps. C'est ça qui nous intéresse ici. Ici, il a dit 1-0. Non. On actualise encore. Ici, il a dit 1-1. On actualise encore. Voilà. Ici, il a dit le 1-1 deux fois. Donc, ici, quand vous allez mettre, l'équipe, les deux équipes, vous allez valider pour donner le premier score de temps réglementaire. Vous allez mettre, tu prédis quel score à la mi-temps. Tu prédis quel score exact à la mi-temps. Maintenant qu'il va afficher, tu vas actualiser trois fois. Tu vas donner trois fois. S'il a donné le même score ça, trois fois, tu joues. S'il a donné le même score ça, deux fois, tu joues. Tu as dit quoi? C'est-à-dire trois actualisations que tu vas faire là. S'il a donné le même score ça, deux fois, tu vas jouer le. Tu vas jouer le score qu'il a donné deux fois. Mais s'il a donné le même score ça, trois fois, tu vas jouer le même score ça, trois fois. Mais s'il a donné trois scores ça, différents, ne jouez pas. Cherchez autre match. Venez faire. Donc là, s'il a donné 1-1 deux fois à la première mi-temps. Donc là, ici déjà, à la première mi-temps, vous voyez là, ici, il a donné 2-1. Et il a donné 1-1. Il a donné 1-1 à la première mi-temps. Il a fait 2-1. Vous voyez là. Maintenant, ici, sur le temps réglementaire, il nous a donné 2-1.
Tu vois là, sur le temps réglementaire, il nous a donné 2-1. Vous voyez là comme ça. Le temps réglementaire nous a donné 2-1. Donc là, ici, voici les 2-1 qu'il a donné sur le temps réglementaire. Vous voyez là, ici, comme ça. Les 2-1 sont validés. Vous voyez là, comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser. Donc là, ce que vous devez utiliser est qu'il prédit quel score exact à la mi-temps. Il prédit quel score exact à la mi-temps. Maintenant, sur le temps réglementaire, je vous explique. Sur le temps réglementaire, on prend un autre match. On prend un autre match. On prend Liverpool-Newcastle. On prend peut-être Liverpool-Newcastle. On prend Liverpool. Il a l'habitude de jouer, donc dès qu'il met en même temps les noms des équipes sortent. Ici, il a donné 3-0. Voilà, on actualise encore. Nous a donné 3-0. Il nous a donné 10-0. Ici encore, on actualise encore. Il nous a donné encore 3-1. Voilà. Donc ici, il a donné 3 scores différents. Donc là, ici, nous comme ça ici. Donc ici comme ça, pour celui qui veut juste comment tu viens, tu vas prendre comme ça, Newcastle et puis Liverpool. Tu vas prendre temps réglementaire, tu vois. Tu prends temps réglementaire, tu vas prendre plus de 3,4 buts. Plus de 3,5. Tu pourras prendre tout à plus de 3,5. Ça, c'est 1. Pour gagner, ça, c'est 1 là-bas. Maintenant, tu ne peux pas tu laisses comme ça. Comme ça. Maintenant, tu vas mettre, tu prédis quel score exact à la mi-temps. Tu valides ça. Tu valides ça. Ça, c'est 1. Tu vas valider. Il s'agit de 2 € à la mi-temps. On va actualiser encore. On va, tu vas donner le même 2 €. Il a donné 2 € encore. On actualise encore. Il nous a donné 2 €. Donc, il nous a dit quoi? Il dit quoi? Il dit prédit un score exact de 2 € en faveur de Liverpool. Il dit, oui, c'est Liverpool qui va gagner les 2 euros. Vous voyez là comme ça. Donc, ici, à la première mi-temps, il dit qu'il ne peut pas faire 2 euros. Vous voyez là comme ça. Donc, quand tu viens automatiquement comme ça, tu vas mettre ce premier mi-temps, tu vois. Tu vas chercher le score de 2 euros. Tu vas prendre 2 euros. Tu vois, tu prends 2 euros comme ça. Donc, moi, ici, c'est ce que moi, j'ai fait. Même chose. Vous voyez là. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il a fait. Vous voyez là, il m'a dit 1 euro et plus 1 euro premier mi-temps. Vous voyez là. Il n'y a pas trop joué le temps réglementaire, tous ces premiers mi-temps. Il a joué le temps réglementaire, mais ce n'est pas trop. Vous voyez là, moi, j'étais basé beaucoup sur les préparations. Parce que si j'ai remarqué, c'est sur les premiers mi-temps. Ici, là, ici, il y a juste le temps réglementaire. Vous voyez là, il s'est juste le temps réglementaire 2-1. Il a validé 2-1. Il a validé 2-1 tranquillement. Vous voyez là. Mais moi, je ne suis pas trop basé sur le temps réglementaire. Ici, encore, le temps réglementaire, encore 2-1. Encore, il a validé encore. Ici, encore, le temps réglementaire, encore 2-1. Encore, il a validé encore. Voilà. Ici, encore, le premier mi-temps. Ça gagne pas, ça gagne, mais moi je suis pas trop basé sur le temps réglementaire. Moi je suis basé plus sur le premier mi-temps. Vous voyez là, ici, premier mi-temps, encore 1 € encore. J'ai validé et on va voir ici 75 000, 5 000 fois 75 000. Ici, c'est si c'est le temps réglementaire 3 à 2, j'ai validé encore. Tout ça, il m'a donné tout ça. C'est un diplôme de temps réglementaire. On va valider, mais ce qui m'a dit, si c'est sur cette intelligence artificielle là, il a tendance à donner 2-1. Tu vois, il a tendance à donner 2-1. C'est-à-dire la tendance à donner 2-1. On va prendre un exemple sur ce match. Vous allez voir, on va prendre un exemple sur un match. Parce que ici, quand tu vois ici comme ça, quand tu analyses le match ici, premier mi-temps, il y a plus de 2-1. Tu vois, il y a plus de 2-1 en premier mi-temps. Comme ça, premier mi-temps, 2-1. Premier mi-temps encore, on va chercher encore. Vous voyez là ici, 1-1, 2-1 encore. 2-1 encore, premier mi-temps. Vous voyez là ici, 3-1. Vous voyez là, ici encore 2 €, 2 €, 2-1, 2-1. Vous voyez là ici, voilà. Donc la tendance à donner 2-1. Donc ce qui veut dire, si vous donnez 2-1, on prend notre match automatiquement. On prend notre match. On prend ici Dortmund contre PSV Nedling. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, bien sûr. Voilà, on valide le match. Ici, nous avons 2-1. Automatiquement, dès qu'il te donne 2-1, tu vas mettre le 2-1 en premier mi-temps. Tu vois, il a dit quoi? Il dit mon pronostic pour ce match, ce serait victoire de Dortmund en premier mi-temps. 2-1, 2-1, 2-1 en premier mi-temps. Donc, automatiquement, tu vas prendre premier mi-temps comme ça. Tu prends 2-1 de Dortmund. Automatiquement. Tu n'iras même pas à gauche. Tu prends 2-1 de Dortmund en premier mi-temps. Tu vois. C'est-à-dire quoi? Qui te donne un score de 2-1. Tu prends 2-1 de Dortmund en premier mi-temps. Tu sors maintenant. Tu reviens encore. Tu vas lui dire. Tu prédis quel score exact à la mi-temps. Tu vas analyser. Il va analyser. Il va te donner. Il va te dire. Prédis un score de 1 € à la mi-temps. Tu vois. Voilà. Automatiquement. Il a donné 1 € encore à la mi-temps. Ici encore. Il va donner encore 1 € encore à la mi-temps. Donc là. Automatiquement, tu vas prendre 2-1 et puis tu vas prendre 1 €. Il a pris 1 € en faveur de qui? Il a pris 1 € encore en faveur 2-1 et 1 € encore en faveur de Dortmund. Donc, c'est-à-dire, tu vas prendre 2-1 de Dortmund et puis 1 € de Dortmund. Maintenant, ici, il a dit quoi? Il a dit plus de 3, il a dit plus de 2,5 dans le match. Et plus de 2,5 dans le match. Donc, tu vas prendre total. Tu vas prendre plus, tu vas prendre ici, tu vas chez Dortmund. Tu vas prendre total individuel. Tu vas prendre que Dortmund a marqué 2 buts dans le match. C'est-à-dire que pendant les 6 minutes qu'on joue, tu prends total de Dortmund, tu vas prendre 2 buts dans le match. Dortmund, tu vois. Ou bien tu peux bien prendre plus de 3,5 buts dans le match. Tu vois. Ça va te passer. Si nous a dit Dortmund a marqué 2 buts, mais là, Dortmund a fait 2-1. Vous voyez là comme ça. Voilà. Donc là,
Vous voyez là, c'est facile à gagner, en fait. Vous voyez là, c'est facile à gagner. Vous voyez là, voilà. Donc, par exemple, comme ça, ici, il m'a donné ici, il m'a donné un score de 15 euros. Ici, moi, je prenais seulement 15 euros en premier mi-temps. Je prenais seulement un but de piège en premier mi-temps. Je valais, ouais, ici, à part les scores sur le total. Ici, la 10 euros de plus, moins, il prend, il prend 0 de plus, il prend moins de 2,5, moins de 1, ou bien 1, ou moins de 0,5 buts dans le match. Mon copain allait valider en premier mi-temps. Vous voyez là, comme ça. Donc là, vous voyez ici, c'est ce qui est fait. Vous voyez là. Ici, il a dit, ils vont marquer 2 buts, 3 buts dans le match. Parce qu'il a dit que Dortmund a fait 2-1 sous Kouezat. Donc moi, je vais me prendre 2,5 buts. La cote était 1-3. Il a validé mon argent tranquillement, tranquille. Vous voyez là. Donc, ce qui veut dire que soit le Kouezat qui va vous donner, vous venez prendre ce nombre en total. S'il a donné plus de 3 buts dans le match, tu viens prendre plus de 3,5 buts dans le match. Ou bien, tu prends, tu vois l'équipe qui l'a dit va marquer. Oh, peut-être 2-1, mais 3-1, tu viens automatiquement, tu prends ce même équipe-là, tu prends son 1,5 but, ou bien, déjà son 1,5 but tranquille. Voilà, donc là, donc c'est ce qui permet de gagner aussi, hors des squares aussi. Donc moi, c'est ce qui est testé, et puis, voilà, il a gagné aussi, voilà. Donc ici, on voit ici, le match est passé, attendez comme ça, le match que les gars venaient jouer tout à l'heure là. Quand on a regardé là, voilà, on va voir ici ce match affiché ici et on voit le score. Voilà. Ici, vous voyez là, ici, il a donné 2-1. Vous voyez là, ici. Il a donné 2-1 Dortmund Liverpool. Vous voyez là. Quand on réglementait 2-1, le 2-1 est validé. Regardez comme ça, si vous allez le voir tout à l'heure. On va venir ici comme ça. Regardez comme ça, on va venir ici comme ça. Vous voyez ça ici, où est le match? Où est le match? Voilà, c'est Dortmund Newcastle. Ou bien c'est Milan Liverpool. Non. C'est Milan Liverpool, si mon pas, voilà. Mais Milan Liverpool. Voici le score qu'il a donné. 2-1 en temps réglementaire. C'est validé avec succès. Vous voyez là. 2-1 en temps réglementaire. C'est validé avec succès. Et puis il a dit premier temps 1-1. Mais c'est pas que premier temps fait. Premier temps fait 2-1. Vous voyez là. Donc là, ce qu'il veut dire souvent, les scores qu'il donne, il fait l'inverse. Donc c'est la raison pour laquelle il vous dit, si vous ouais, on prend ce match à conseil, il a donné 2-1. Vous partez sur Tchad, vous mettez les deux équipes. Et puis il a donné ce score 2-1. Automatiquement, tu viens ici, tu vas prendre premier mi-temps 2-1 en faveur de l'équipe qu'il a donné. Voilà, tu prends ce 2-1 en faveur de l'équipe qu'il a donné. Maintenant, tu vas taper maintenant, tu peux dire quel score est à la mi-temps. Tu peux dire quel score. Maintenant, le score qu'il va donner à la mi-temps, tu viens prendre encore ce même score encore à la mi-temps. Tu vois, c'est-à-dire a dit que non, Bayern Leverkusen va faire 2-1 à Milan. On va taper comme ça, vous pouvez puisser comprendre. Parce que ici, il faut que je vous explique bien pour que vous puissiez comprendre. Parce que vous ne pas que vous perdez. Pour ne pas vous perdre votre argent. Ben, il va poser un Milan. On va taper le match. Voilà. Donc, voici le match quand il est tourné. Voici le match. Ici, il a dit quoi? Il a dit 2-1 encore. On actualise. Il va donner 2-1 encore, peut-être. Il va donner 2-1 encore. Il a donné 2-1 encore. On actualise encore. Il va donner 2-1 encore. Il va donner 2-1 encore. Voilà. Nous avons donné 2-1 en faveur de Milan. Donc, automatiquement, tu viens comme ça. Tu vas prendre 2-1 en faveur de Milan. Tu vas prendre 2-1 en faveur de Milan. Parce que c'est Milan qui est favori ici. Vous voyez là. C'est Milan qui est favori ici. Milan a une cote de 2,29 et Bayern Leverkusen a une cote de 2,9. Voilà. Donc tu vas prendre 2-1 en faveur de Milan. Et puis tu vas venir encore. Tu vas demander tu peux dire quel score exact à la mi-temps. Tu vois. Tu vas demander tu peux dire quel score exact à la mi-temps. Ici, on a donné un score de 1-1 à la mi-temps. On va actualiser. Quand c'est comme ça, quand tu dis de prédire quel score à la mi-temps, tu vas actualiser ce même score 3 fois. Donc ici, il a donné 1-1 deux fois. Puis il a donné 1-0 une fois. Donc là, tu vas prendre encore 1-1. 1-1. Si tu vas prendre le si tu vas prendre premier mi-temps 1-1 encore. Tu vas prendre 2-1. Tu vas prendre 2-1 et demi, tu vas prendre 1-1. Parmi les deux squares, coûte que coûte 1 va rentrer. Maintenant, ici, il a dit quoi? Il a dit qu'il aura plus de 2,5 buts dans le match. Donc, automatiquement, tu viens quand tu vas prendre plus de 3,5 buts. Il aura plus de 3,5 buts. Ou bien, si ça ne t'arrange pas, tu vas même prendre l'équipe qui est favori. Total 2. Tu vas dire que Liverpool, tu vas dire que Milan a marqué 3 buts dans le match. Ou bien 2 buts dans le match. Tranquille. C'est clair. Voilà. Donc là, l'équipe, c'est ce que vous m'avez compris. Voilà, bonne journée à vous. Voilà. Si vous avez des soucis, commentez en description. Et commentez. Et puis aussi, voilà, likez. Utilisez le code pour m'intégrer mon canal Telegram. Intégrer mon canal Telegram. Si vous avez des soucis, contactez-moi. Voilà, je vais vous aider. Tout. Donc l'équipe, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous. Et surtout, on se retrouve prochainement. Peace out.